Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, c'est une vidéo où on va débuter le World Food, la série que j'ai nommée Compteur Antoine et Nimafoi sur le jeu Crusader Kings 2. Donc cette série, ça se base sur le fait que je vais prendre ma région où je suis né, donc c'est-à-dire la Franche-Comté. Ici, reprendre sur le jeu Crusader Kings 2 par la Bourgogne. Et je vais jouer une partie devant vous, en fait, vous présenter en quelque sorte le jeu Crusader Kings 2 en playthrough et non pas en walkthrough. Donc voilà. Alors tout de suite, j'ai créé un personnage, je vais tout de suite, et la Bourgogne de base appartient au Saint-Empire romain germanique, donc j'ai utilisé quelques codes pour le transférer sous vassalage français et être un souverain français. Une fois tout ça dit, on va commencer par les trucs plus importants. On attend quelques jours, voilà. Et premier truc à faire, c'est déjà un conseil. On regarde, nommer qui a de mieux, voilà. Pour l'instant j'ai mieux, oui c'est meilleur. Économie. Il y en a qui sont meilleurs en économie, donc tu vas devenir mon nouveau ministre de l'économie. Cette personne-là est meilleure. Et lui est bien meilleur. Il faut choisir son conseil. L'avantage du conseil, c'est en fait eux qui vous permettent un peu de faire un peu toutes vos actions là. J'améliorerai mes relations avec mes autres personnes. Ici, je vais former des troupes. Je vais percevoir les impôts. Dévoiler des complots. Et je vais faire améliorer les relations religieuses ici. Voilà. Bon, bien évidemment, en faisant ça, ces codes-là, et me marier, bien évidemment, voilà, c'est aussi pour ça, ça vous permet d'avoir plus d'épouses disponibles. Alors, je suis une personne qui joue beaucoup sur les deux compétences-là. Donc, pour quelqu'un de beaucoup diplomate et quelqu'un qui adore tout ce qui est économie, après militaire et seconde militaire, celui d'après. Érudition aussi, et ça c'est un dernier caractère que je regarde, donc j'ai essayé de trouver une épouse déjà de bon rang, hein, peut-être 15 6 12 0 13, voilà, moi ça me convient parfaitement, voilà. Bon, bien évidemment, comme j'ai dit, avec ce code j'ai de base, c'est lui qui est le chef de du duché de Bourgogne, donc j'ai changé l'image. Et il a perdu à cause de mon histoire. Voilà, je m'excuse. Mais bon. De plus, je vais lui déclarer la guerre. Je sais même plus comment on fait. Oui, j'ai pas joué au jeu depuis un petit coup en fait. Mener des actions diplomatiques, déclarer la guerre, revendication du duché de Dijon. Voilà. Ici, je vais lever Lost, c'est-à-dire toutes mes armées. Mon domaine. Mes troupes à moi sont 464 troupes, mes vassaux peuvent me fournir 500 troupes de plus. Et là, je vais lever le banc. Voilà. Donc, mes vassaux me fournissent 100 troupes. Et moi, je me fournis ma propre armée. Là, voilà. Et on y va tout de suite, là, lui exploser. Voilà, on va attendre que lui arrive. Voilà. Là, je vais prendre l'argent. Voilà, nickel. Tout se passe bien pour un début. Et comment ça se passe, les combats? On va attendre d'arriver sur la zone de combat. Voilà. Ici, je suis seul. Donc voilà. Là, j'ai déjà un malus parce que j'ai franchi une rivière. Voilà. Ensuite, vous avez trois corps d'armée. L'aile gauche, l'aile droite et le centre. Et vous pouvez nommer un en fonction de leur tour, vous pouvez nommer un généraux pareil. Ici, j'ai nommé. Lui c'est nommé par de base. Hein. Donc voilà, c'est Robert qui s'occupe de ça. Il n'y a aucune compétence. Il y a moi, le duc de Bourgogne, contre Robert de Bourgogne. Lui, nous avons tous les deux défense. Donc nous avons tous les deux. Voilà. Et comment ça augmente les troupes en défense? C'est quand vous êtes attaqué, vous avez une meilleure défense. Ça augmente de 31% parce que ma patience, ça promène ma patience qui m'augmente ce bonus de 20%. C'est un trait de caractère qui est mon personnage. Et soyez multiplié par 1,55 du fait que j'ai 11 en martial. Voilà.
Donc voilà, donc c'est ça qui est important. Donc ici, c'est toutes mes qualités que j'ai mis à mon personne. Vif, patient, honnête. Blessé, ça par contre, c'était juste pour faire dire, voilà. Je suis quelqu'un... Ce que j'ai mis là, vif, patient, honnête, c'est des qualités qui sont miennes. Donc je vous rassure, c'est pas une arnaque, hein. Je m'amuse pas à me moquer de vous, à mettre des trucs qui sont faux. Donc voilà. Et là, par la suite, vous pouvez envoyer des renforts. Vous pouvez envoyer des renforts sur la route à l'aile centrale. D'ailleurs, je... Les attaques de flanc ont des bonus. Par exemple, la bonus plus 30 pour attaque sur le flanc. Voilà, vous voyez, dégâts. Jusqu'à temps de défense. Wow. Là, je suis balafré. Balafré, ça fait plus 5 de précision sûr. Voilà. Et c'est ainsi que nous avons gagné notre première bataille. Évidemment, je vais rester ici et je vais faire le siège de Dijon pour récupérer cette ville. Alors, message, man. Accepté. Je suis chancelier de France maintenant. Vous voyez, c'est. Voilà. Bon, cette série, ça sera plus ou moins la didactique, c'est quand même pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est aussi pour, comme prévu, une personne m'a demandé qui était gravement malade à l'époque. J'espère que ça n'est rétabli depuis. De faire une série sur ce jeu, et comme promis, je tiens toujours mes promesses. Je fais ce walkthrough comme promis à cette personne qui lui est dédiée. On vient m'aider dans ma guerre, donc le roi de France a décidé de m'aider. Ouais, et nous venons d'assister en direct à l'indépendance de Lyon. L'indépendance de Lyon et l'indépendance de la Provence. L'avantage de cette indépendance, c'est ça qui nous arrange dans ce coup-là, c'est que le roi de France peut récupérer ça dans les guerres. La famine tue, donc ouais, ça c'est marré toi. On va lancer un assaut, vu qu'on n'est pas une troupe supérieure, voilà. Allez, au cachot. Voilà, maintenant, ici. Et voilà, y a plus... là on a capturé le fort principal et maintenant il faut capturer le reste. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'argent, donc je vais essayer d'améliorer quand même mes fiefs. Hein. Donc je vais surtout améliorer mon château, comme ça... J'aurai plus de troupes, et surtout c'est une muraille, voilà. Okay. Certaines choses coûtent pas trop cher, comme ça ça m'apportera plus d'argent. Et surtout plus de troupes. Ensuite, ici, je vais mettre un pot minimum pour avoir de l'argent, j'en ai besoin. C'est nécessaire pour moi. Donc voilà. Voilà, ça, ça peut être bon. Et en fonction du temps, vous avez une garnison qui se... de la chance. Donc à cette personne, hop, non, hop, 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 voilà. Offrir à paix, appuyer l'exigence, très bien, Dijon m'appartient maintenant. Donc, il est devenu un de mes vassals, et voilà, tout se passe mieux, donc relation, voilà, bien évidemment ici c'est mon culture, donc religion, catholicisme, culture, tout ça, l'économie. L'économie ici est beaucoup moins bonne qu'ici, étant donné que là, ils sont contre moi, ils ne maîtrisent pas trop. Duché de Jure. Voilà, ça c'est rendu casse. Normalement, la Bourgogne de base fait partie de Bourgogne. Mais en ayant, avec mon petit code, pris le duché de Bourgogne, je conquéris tout ça en fait. Et je deviens aussi sur une société française. Royaume de Jure, donc les royaumes. De base, voilà, Jure, Pays-Bas, tout ça, France. Empire de Juve, jusqu'où l'Empire peut s'étendre normalement, les révoltes, les dynasties qui sont, opinion, voilà, donc, voilà. Je vous ai à peu près tout montré. Maintenant, on va démobiliser l'armée, parce que ça coûte de l'argent, mine de rien, d'entretenir cette armée. Et je vais, en premier lieu, augmenter ça. Alors cette petite série, j'espère quand même qu'elle vous intéressera, hein. C'est quand même... J'ai pas eu d'éclairage parce que j'ai pas d'indication.
Et là, je vais faire fabriquer des revendications. Ici. Je veux en fait... Je vais tenter de récupérer en fait carrément ici. Même pas. Je suis bête. Voilà, je vais faire des revendications carrément sur Lyon et à Lorraise. Je vais faire... tant pis. Parce que ça me permettra d'avoir d'autres territoires. Je sais pas les objectifs que je me suis encore fixé. Aucun objectif. Parfait. Donc voilà, là on va tenter de nous améliorer l'économie. Ça va être un peu rebondant au début, mais ça va être comme ça à peu près tout le début d'une partie. Et pendant ce temps là, il se passe que... il se passe une guerre en fait ici en Angleterre. C'est la guerre quoi, pour savoir qui va devenir en fait... le Danemark et Barkia, le roi d'Angleterre dure présent. Et Guillaume le Conquérant arrive et il va essayer de prendre le contrôle de Angleterre. C'est un peu... on patiente, on patiente. Le conseil permet en fait d'augmenter vos propres stats. Toutes les stats du conseil s'additionnent à vos stats à vous. Vous voyez. J'approuve l'autorité de la couronne faible. Et maintenant je vais vous expliquer ça. Agnatique, seuls les hommes peuvent hériter. Conatique, les femmes peuvent hériter. Agnatico-conatique, les deux peuvent hériter. Après, il y a l'ancienneté, la primogéniture. L'aîné hérite de tout et de ses soeurs après cette loi, mais les autres peuvent hériter. Monarchie élective, ancienneté. Dès que je peux, il faut qu'autorité de la couronne, vous voyez, haute. J'ai besoin d'autorité de la couronne qui augmente pour mettre progéniture. Sinon, voilà, ça pique. L'avantage c'est que j'ai qu'un titre là, vous voyez. Vu que j'ai qu'un titre, ça va être donné qu'à l'aîné. Mais je peux avoir plusieurs personnes qui peut... qui peut en fait venir éduquer. Non, pas essayer d'éduquer. Éduquer moi-même. Ouais. D'avoir 6 ans, ouais, c'est ma seule chance. Ah mince, bon bah, la dépendance a fini, tant pis. Bon, je vais continuer à capturer ça là. Hein. Donc, ce qui est important, c'est ça. Le partage stratégique, c'est un peu embêtant quand vous n'avez pas de titre, mais quand vous n'avez qu'un, vous en fichez. Moi, je vais tenter de... d'avoir qu'un seul titre, hein, je vais pas mentir. Côte de Bourgogne, je suis baronnie de Montbéliard. Oui, de Montbéliard, tiens, à côté de chez moi. Duché. Voilà, tout duché regroupe tout ça. Comté d'Auxerre, de Bourgogne, de Charmont. Et ainsi, vu que j'ai plein de vassals, là vous voyez qu'ils sont sous autorité certes du roi de France, mais sous le duché de Bourgogne. Donc se dire que moi je posais une autorité sur eux, mais je posais une autorité sur ces vassaux là, mais le roi posait une autorité sur moi au final. Donc au final toutes ces troupes appartiennent finalement au roi de France. Et ici, j'ai l'impression qu'ils sont en train de tous se faire guerre, comme d'hab. Connaissance des provinces de Dijon. C'est bien ça. Et là, je vais vous montrer la technologie. Le coup. Et là, c'est là où ça se recherche, en fait. Opinion du château, c'est les opinions des personnes qui sont au château qui augmentent. Opinion, infrastructure du château, c'est les impôts storés au château. Et gars, presque tout ce qui est trop, plus d'infanterie légère, tout ça. Ça a été remanié. Je suis plutôt content d'ailleurs de remanier. Ce que je trouve, c'est vraiment mieux maintenant. Avant, c'était un peu mal foutu, je savais pas comment ça marchait. Donc voilà, infrastructure. Je privilège. Ça, je m'en fiche vraiment. Alors, je vais privilégier... J'ai envie de privilégier ça parce que c'est ce qui rapporte le plus d'argent.
privilégier les nobles pour pouvoir augmenter les impôts féodaux qui s'adressent aux nobles. Donc ils n'apprécient pas. Donc voilà. Un petit conseil aussi, si vous voulez faire beaucoup de guerre, mettez les troupes au maximum, mais mettez les impôts au minimum ou au normal. Mais ne mettez pas. Sinon le problème, vous voyez, là, ça change rien. Ici c'est normal. C'est ça. Vous voyez, mais là ça enlève des opinions. Donc évitez d'être un peu. Ah putain, je peux renvoyer. Par contre, je vais éviter cette connerie là. Pour une raison. On va voir le Kaiser. Arbre du royaume. Il peut sauver 18 000 troupes. La France. On va voir notre cher roi de France. Roi Philippe Ier. On peut sauver que 6 000 hommes. Donc je pense qu'on va se prendre une déculottée si on fait cette guerre. Je vais être honnête là-dessus. J'ai envie d'éviter quand même une guerre qui tourne mal. Voilà. Et maintenant, vu que je vous ai montré la technologie, là, il y a certains bâtiments qui sont limités tant que j'ai pas amélioré cette technologie. Donc j'attends. Voilà, j'attends les technologies. Et j'ai décidé de garder mes deux châteaux. Mon bel Besançon, c'est la capitale de ma région. Je veux comprendre, mon département, excusez-moi. Et mon Béliard, parce que c'est la ville la plus proche de chez moi. Donc je. Et à Belfort aussi, je suis entre les deux en fait. Donc j'ai envie de profiter de ça. Et j'ai envie vraiment de les garder pour moi. Bon, la revendication faible, je vais éviter de la déclarer tout de suite. Je vais peut-être la revendiquer s'il y a une indépendance en fait de royaume. Hein. Ensuite, ici, l'économie rapporte les villes que j'ai. Les événements là, un peu qui se passent partout que j'ai défini comme moi je voulais définir. Bon, voilà. En tout cas, c'est qui est roi Harold II. Donc, le roi d'Angleterre. Si j'ai bien compris. Attends, Harold. Je vois en fait le royaume d'Angleterre, histoire. Si j'ai bien compris. Si j'ai tout bien compris, en fait, il a réussi à garder son titre pour l'instant. Et là, on va se taper une de ces guerres. Oh là 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 là. Ah ah, voilà. Voilà ce qui se passe en fait. Guillaume le Conquérant a tenté de conquérir. Il s'est fait balayer les armées d'Angleterre. Et l'Angleterre débarque pour le faire perdre, si j'ai bien compris. Tout bien compris, mène les troupes à Chartres. Je vais voir le roi en fait pourquoi il est en guerre. Il fait la guerre pourquoi? Je sais pas pourquoi il fait la guerre, si j'ai bien compris c'est ça, donc j'espère pas m'être planté. Donc voilà. Ma chance de rappeler en revendication c'est 6. Voilà, voilà, ça prend du temps. Faut être patient dans le jeu, ouais, j'y peux rien. C'est vraiment un jeu de patience. Donc voilà, ouais, un jeu de gestion d'état, ça change un peu de tous les autres jeux que j'ai pu jouer avant. Ouais, on va être patient, on va attendre tout ça. Ah, donc j'ai bien eu raison, l'Angleterre a trouvé son indépendance. Ouais. Maintenant l'Angleterre est sous la guerre d'indépendance. Putain, encore? Excusez-moi. Indépendance de tous les seigneurs d'Angleterre. Pour mettre quelqu'un d'autre au pouvoir. Donc ça va être un prétendant utile. Donc voilà. Tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Si Angleterre se déchire, moi je me précise bien. C'est bien. Et on va augmenter ça. Moi je suis contre. Et l'histoire de faction intrigue, bien évidemment, les intrigues c'est tout ce que vous pouvez faire, organiser un banquet, prendre un débutant, tout ça, ça ne demande pas rien. Participer à une grande partie de chasse, acheter une indulgence, prisonnier. Je vais libérer. Je vais pas mentir. Alors, intrigue, complot connu. Tuer Robert d'Ivre, lui par contre tout de suite,
Mettre fin au complot, non, réticence, d'accord. Votre partie, ouais mais il faut me tuer. Arrêtez de se tenir. Ça je m'en fiche, franchement. Ça m'adresse pas à moi. Et les factions de Gut, ça c'est par exemple pour autorité à la couronne, tout ça, donc. Vous voyez, indépendance, tout ça, donc moi personne. Comtesse. Ouais. Mais tu le fais pas moi je... Très bien. Adeline. Donc voilà. Tous ces petits drapeaux là, je les ai modifiés sur un fichier du jeu. Donc j'espère que ça gênera pas trop pour, les autres personnes qui regardent. Hein. Donc voilà. Il faut savoir que le design des petits blasons là, c'est moi qui ai pris ça. Hein. J'ai décidé arbitrairement de choisir ce qui m'intéresse avec plus. Et sur nos troupes, on voit aussi cela. Vous voyez, c'est le symbole en fait du duché ou des troupes de, où vous vivez. Voilà, donc Comte de Dijon. On met tout le monde. Mille hommes. Compte 200, je crois qu'on va gagner cette guerre plutôt facilement. Donc voilà. Ouh, il y a une grande indépendance, d'accord. Et on constate ici que si nos troupes, si on a moins de troupes que les défenseurs, on ne peut pas assiéger une ville. Donc clairement, d'où l'avantage d'avoir toujours plus de troupes que les défenseurs. Et on constate aussi autre chose, c'est que le Normand a bien foutu la merde et veut son indépendance. J'ai l'impression qu'il veut ma peau. Donc voilà, là c'est des victoires en fait très faciles pour en fait pourquoi il y a cette guerre. Moi j'aurais bien aimé en fait à toutes les guerres. Ça m'a rendu. Voilà, vous faites comme ça. Comme ça vous arrêtez de perdre trop. Ah bah voilà, 5. Voilà, 4000 hommes ici. Voilà, c'est bon, l'armée constituée, l'armée de France. La famille tue. Il y a une double. J'ai l'impression que c'est une guerre d'indépendance. Ah, nickel. Je peux bientôt recruter encore plus de troupes, donc ça c'est. Ils veulent en fait leur indépendance, ces troupes. Je pense. Donc la première guerre est gagnée. J'ai pris le fort. Impôt de base, beaucoup. L'impôt. L'impôt que ça rapporte et niveau de fortification. Mais une cité rapporte plus mais moins fortifiée, que les châteaux, tout ça. J'ai pas besoin de vous apprendre ça je pense, donc c'est un peu blabla. Et je suis hésité en fait à venir aider l'armée de France. J'ai peur qu'elle se fasse balayer. De se faire balayer, c'est ce que je craignais. C'est pour ça que j'ai pas trop voulu me mêler de ce combat. Oh, mes troupes sont en train de se faire exploser. Bon, évitez de lancer ça quand vous n'êtes pas 1 contre 10.
d'accord. Donc, on fait la paix, appuyance, enfermée. Voilà. Et après, c'est pas qu'on veut assassiner ma famille. Et là, en ce moment même, il se passe que il y a la rébellion partout dans cet empire. Il peut lever 900 et quelques troupes. Moi, j'ai envie de déclarer la guerre à son souverain. Pour la Lorraine, j'aurais aimé déclarer la guerre. Et je n'ai plus la revendication. J'ai changé ma méthode. Franchement, j'ai changé de méthode là. Et je vais mettre mon conseiller à faire une revendication en Lorraine. Tu sais de le tarager. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que j'ai envie d'avoir la Lorraine. Je préfère avoir des territoires à côté de chez moi plutôt que de devoir aller chercher des troupes un peu aux quatre coins de la France. Et là, on constate que l'armée de France n'est plus. Et qui va sûrement appuyer les exigences de... Et en plus... Ils prennent leur indépendance. Bon, voilà, c'est un peu le début de la partie, comme toujours. C'est, il y a des indépendances un peu de partout. Donc voilà. On va attendre, hein, maison de Besançon, voilà. Ah, par contre, un petit bug. Parce que j'avais mis tout en bleu derrière. Bon, on va faire avec ce petit bug. Ça arrive les guerres, hein, voilà, ça. C'est les aléas du jeu, comme je dirais. Donc voilà. Mon conseil fait-il toujours la même chose, oui. Bon bah. On va modifier un peu. Là je peux aussi exprimer et compter pour ma technologie, par exemple je vais ici, excusez-moi, je vais se compter technologie, je vais voir sur la carte où c'est le plus développé. Bien évidemment, plus c'est foncé, plus technologie est élevée, plus c'est clair, moins d'aller. Donc par exemple, je préfère ça par exemple. Hop. Et on constate que j'ai un bon... Si les comtés voisins sont supérieurs à nous, on a un bonus. Et inversement, si nous on est supérieurs, on a un malus. Donc voilà. Je vais par contre peut-être commencer par ça. Une petite idée en fait. Ici, je vais éduquer un enfant et je vais l'éduquer moi-même. Pourquoi moi-même? Parce que... Je le vaux bien, non, parce que j'ai des bonnes statistiques, tout simplement pour ça. Et ici on peut voir les impôts qui me payent, bon là ils ne payent pas tous, c'est normal. Mauvaise opinion, voilà. Ah, on va pas un livre. Il est content. Comme ça, mes assauts, arrête de me faire la tête. Et voilà. Et pour avoir l'argent des évêchés, il faut que l'évêché ait une meilleure opinion que vous, que l'opinion qu'a le pape. Que son opinion qu'il a du pape. Donc voilà. J'espère que vous m'avez à peu près compris dans cette présentation un peu rapide de ce walkthrough.
ce playthrough plutôt, que ce playthrough vous intéressera autant que moi il m'intéresse, et que vous amuserez bien évidemment en ma compagnie à travers les différentes vidéos.